Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça va être la deuxième vidéo de l'année. Voilà, c'est vrai que je suis un petit peu en retard dans mes vidéos, je m'en excuse. J'ai des contretemps et c'est vrai que j'ai un travail à côté, on peut pas faire toujours comme on veut. Donc voilà, mais aujourd'hui on va parler du Xiaomi Mi Note 10. C'est un smartphone qui m'a été prêté par le Café du Geek. Et je suis super content de faire cette vidéo pour vous présenter vraiment et vous parler d'un smartphone qui en vaut vraiment la peine et qui a vraiment beaucoup de qualité, vous allez voir. Donc c'est parti. Au niveau de l'emballage, voilà comment ça se présente. On a une superbe boîte noire assez sobre, mais qui fait très bien son effet. Elle est très classe. Il y a marqué Mi Note 10 sur le dessus, Mi Note 10 sur le côté, ainsi que Mi Note 10 de l'autre côté. Et là, on a les specs du produit. Donc voilà pour ce qui est de l'emballage. Derrière, rien du tout. Mais je trouve qu'elle a vraiment un très bel effet. Donc on va commencer gentiment l'unboxing. Voilà, donc on a une première vue sur le smartphone directement, et donc ça me rappelle un petit peu, voilà, regardez ce smartphone, il est vraiment magnifique, il a des couleurs exceptionnelles, selon comment on le bouge, voilà, on arrive à avoir différents effets, différentes couleurs, et ça, je trouve ça vraiment cool. On va poser le smartphone ici, et donc on va regarder ce qu'il y a dans le paquet. Donc je tiens à dire que, bien sûr, c'est un pré-presse, donc voilà, vous étonnez pas, c'est pas neuf, il est pas sous blister, il a déjà servi 2 ou 3 fois, mais bon, c'est pas un problème, on va le tester quand même, on va le regarder. Donc voilà, donc avec, on aura une coque de protection, donc voilà. Donc je sais pas si dans la version Europe il y aura une coque de protection, parce que c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire en Europe, c'est les écouteurs, donc il y aura forcément des écouteurs, ça c'est sûr, et peut-être une coque, mais ça c'est moins évident, ça dépend où vous le commanderez. Voilà, pour ce qui est de la coque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc ça, c'est un câble USB vers USB type C. Donc ce qui m'étonne vraiment pas, parce que Xiaomi, donc ils sont vraiment, ils ont toujours été en avance par rapport à ça. Ensuite, on a ceci. Donc c'est un chargeur, donc supercharge, j'imagine. Power adaptateur. Non, il n'est pas spécialement supercharge. Donc ça, je suis pas sûr de mon coup, mais je vous dirai exactement ce qu'il en est. Au niveau de l'ergonomie, il est vraiment magnifique, on a un superbe smartphone, le Xiaomi Mi Note 10, c'est un grand smartphone, il a un écran de 6,5 pouces, ce qui est vraiment énorme, avec donc une petite goutte d'eau au niveau de la caméra des selfies. On a un écran qui est légèrement incurvé sur les bords, le Xiaomi Mi Note 10 rappelle vraiment le Galaxy S10 Plus, en moins large, donc vraiment en main il est plus appréciable et à peine moins large que le Galaxy S10 Plus, donc vraiment il y a vraiment des grosses similitudes, mis à part que voilà, il y a 5 capteurs photo à l'arrière. L'écran occupe 88% de la surface avant, ce qui est vraiment un régal pour les yeux lorsque vous regardez des contenus multimédia. Au niveau du poids, il se révèle assez lourd avec ses 206 grammes. Il reste tout de même très agréable en main avec des matériaux et une finition vraiment impeccable. Au niveau de la face arrière, on a un dos qui, selon l'inclinaison, change de couleur. Et bien sûr, les traces de doigts sur ce smartphone sont inévitables. Un lecteur d'empreintes se cache sous l'écran et il est vraiment très rapide et très efficace. Le Mi Note 10 propose aussi la reconnaissance faciale, mais beaucoup moins sécurisée qu'un iPhone avec son Face ID. À l'arrière, on retrouve une prise mini jack, une prise USB-C et un haut-parleur. Sur le côté, on retrouve le bouton power juste ici et le plus moins du smartphone. Au niveau des capteurs photo, on a 5 capteurs photo. Le premier capteur est de 108 millions de pixels avec une ouverture de f1.7. Le deuxième capteur est de 12 millions de pixels avec une ouverture de f2 et on a un zoom x2. Le troisième capteur est de 5 millions de pixels avec un zoom x5, une ouverture de f.2. On a un ultra grand angle de 20 millions de pixels ouvrant à f.2. On a un module macro, donc un capteur de 2 millions de pixels avec une ouverture de f2.4. Et on a un capteur photo à l'avant de 32 millions de pixels, ce qui est plutôt rare. On est sur une dalle AMOLED de 6,5 pouces en définition Full HD+, 2340 x 1080 pixels. L'avantage, c'est que le taux de contraste est élevé et les noirs sont profonds, ce qui vous permet en plein soleil d'avoir une bonne visibilité de votre écran et à l'inverse, dans le noir complet, d'éviter l'éblouissement. On est sur du Snapdragon 730G D-Gaming, on est cadencé à 8 coeurs et 6 Go de RAM. Il délivre de très bonnes performances, mais pas au niveau du Snapdragon 855, j'ai envie de dire. Par contre, pour les jeux, le multimédia, scroller et passer d'une application à une autre, comme je le fais ici
par exemple. Donc vraiment, il y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est vraiment très intéressant. On peut vraiment tout faire avec ce smartphone. Il est très réactif. On peut passer d'une application à une autre sans qu'il y ait aucun bug. Vraiment, c'est vraiment exceptionnel. Regardez-moi le look de ce smartphone. Il est vraiment magnifique. Selon l'orientation, vraiment, on a vraiment des très belles effets. Et ça, vraiment, j'ai kiffé. On a une autonomie de 5260 mAh, ça reste pour moi le meilleur des smartphones, il peut tenir jusqu'à 3 jours avec une utilisation normale. Niveau des photos, il est vraiment exceptionnel ce smartphone, là je suis en ultra grand angle, zoom x5, zoom x2, et voilà, et vraiment quand on zoome, on s'aperçoit que la qualité est là, il n'y a aucun grain, et ça c'est vraiment exceptionnel. Il y a aussi, voilà, là j'ai fait un plan macro, donc j'ai pris une clémentine tout simplement en photo, et là on s'aperçoit en zoomant qu'on peut voir le moindre défaut de la clémentine, vraiment le moindre détail, et ça c'est vraiment très appréciable, ça j'ai vraiment bien apprécié ce mode macro qui marche vraiment bien je pense. Et voilà, donc là c'est pareil, j'ai pris en photo une figurine, et là vous voyez, en macro j'étais à 2 cm de la figurine, il y a vraiment un des plus bels effets, et en zoomant vraiment, on voit qu'il y a une qualité vraiment exceptionnelle. Fonction qui est super sympa sur le Xiaomi Mi Note 10, c'est la fonction vlog. Vous avez voilà plusieurs petites vidéos assez courtes qui vous permettent de faire des effets spéciaux quand vous faites vos vidéos. Par exemple, là je vous montre. Je trouve que c'est quand même assez cool quand vous faites un vlog, par exemple, ça vous permet d'avoir des petits effets qui sont directement donc dans le smartphone. Et ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool, ça vous évite d'acheter des applications directement sur le Play Store. Donc les puces du Xiaomi Mi Note 10, on a un écran OLED bien calibré, on a un appareil photo qui est vraiment exceptionnel, des capteurs photo qui sont vraiment au top, notamment le mode macro. On a aussi une des meilleures autonomies du marché. Ce smartphone peut, une fois qu'il est chargé, tenir jusqu'à 3 jours avec une utilisation normale. Les moins, pas d'étanchéité et pas de port micro SD. Alors est-ce que je vous conseille le Xiaomi Mi Note 10? Oui, je vous le conseille, parce que pour un prix de 400 et 500 euros, enfin entre 400 et 500 euros on va dire, sur Rakuten, sur Amazon ou même sur la Fnac, vous arrivez à le trouver à un prix vraiment très compétitif pour tout ce qu'il fait. Voilà, il a 5 capteurs photo, dont un de 108 millions de pixels, ce qui est top, et en plus il vous permet de faire de la vidéo 4K. Donc, pour 400 euros, vous avez une bête de compétition. Le seul bémol, je dirais, c'est vraiment cet haut-parleur. Il y a un seul haut-parleur qui est ici. Il n'est pas stéréo, voilà. Bon, on ne peut pas avoir le smartphone parfait. Le smartphone parfait, de nos jours, ça n'existe pas. Et puis, cette petite goutte d'eau qui est juste devant ici. Donc ça, c'est cool aussi parce qu'elle fait quand même 32 millions de pixels. Ça vous permet de faire des vidéos et des selfies de qualité. Donc, vraiment, je pense que ce smartphone en vaut vraiment la peine. Vous me direz alors, pourquoi 108 millions de pixels sur le Xiaomi Mi Note 10? Tout simplement pour vous aider quand vous faites des photos, des montages, à cropper sur la photo, c'est-à-dire que si vous voulez raccourcir ou faire un zoom sur l'image, vous n'avez aucune perte de qualité d'image. Donc c'est à ça que sert les 108 millions de pixels, tout simplement. Voilà, donc sur un smartphone, est-ce que c'est indispensable? Donc à vous de juger. Quoi qu'il en soit, ils ont le mérite d'être les premiers à l'avoir fait. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un bon pouce bleu qui va bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi que d'activer la cloche des notifications pour recevoir toutes mes dernières vidéos en exclu ainsi que mes posts et regarder mes stories sur YouTube. Mes stories sur YouTube d'ailleurs, je me permets de vous remercier car vous êtes énormément de personnes à regarder mes stories sur YouTube et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc continuez, moi je vais continuer à en mettre régulièrement. Et voilà, il y a aussi Instagram. Instagram, je fais des stories souvent sur Instagram et je suis très actif bien sûr sur Twitter. Et de temps en temps, je fais des concours grâce notamment au Café du Geek et de temps en temps à Rhinoshield. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.